Salut, salut tout le monde, c'est Crimzy. Et aujourd'hui, donc, on va se retrouver donc sur un tuto donc sur After Effects. Aujourd'hui, donc, je vais vous montrer comment faire. Alors, un petit effet sympa dans une cinématique. Donc, c'est un de mes abonnés, sûrement qui m'a, enfin, sûrement un abonné qui m'a demandé comment on faisait dans à cet endroit-là. Donc, ça, c'est mon dernier edit. Voilà, la lumière là. La lumière qui est vachement amplifiée, ça rend super bien, ça va le faire après aussi. Ici encore. Ou là. Voilà, vraiment la lumière vraiment stylée en bleu comme ça. Vous pouvez le faire ailleurs, hein. Il y a pas mal de vidéos où on peut trouver ça. Vous allez dans After Effects. Hop, vous importez votre cinématique ou tant qu'à faire il y a une lumière. Ne mettez pas ça sur un plafond, il n'y a rien. Il y en a plein cachés dans Call of, des petites lumières, des petites lumières, genre voilà celle-là par exemple, c'est sur cette base, mais il y en a pas mal. Donc là par contre j'ai mal, alors je vais juste le faire sur la première cinématique où il y a le gars qui court. Alors je vais la couper. Bon, remarque, vous n'avez pas besoin de couper, hein, ça va aller vite. Alors, donc voilà, je vais laisser l'image là où il y a le gars, ça va rendre mieux. Donc juste pour vraiment, c'est vraiment pour vous montrer, hein, je vais le faire rapidement. Alors, donc il vous faut donc dans effet vidéo copilote Optical Flares. Donc les Optical Flares, c'est un plugin à télécharger. Donc comme ça s'écrit ici, qu'on ne me demande pas l'orthographe, ça s'écrit, c'est écrit là. Vous marquez ça sur YouTube en tuto Optical Flares pour télécharger. Bon, évidemment, vous allez bien sûr tomber sur des. Faut pas le télécharger, sinon c'est payant. Hein, si vous voulez, à moins que vous vouliez payer, mais moi perso non. Donc vous débrouillez pour trouver un tuto si vous les voulez. C'est franchement il y en a pour un petit quart d'heure à installer. Vous suivez le tuto, c'est souvent en anglais. Donc mais bon, il y a juste à suivre ce qu'il fait à l'écran et normalement ça va. Donc voilà, vous mettez votre effet, en render mode, vous mettez overoriginal pour voir ce que ça donne sur l'image. Donc moi je vais déjà le positionner sur la lampe. Après vous allez dans options. Donc là ça va vous ouvrir le menu. Donc alors vous allez ici dans alors je vais prendre celui de base et après vous pouvez modifier vous si vous voulez ou même en créer un vous-même. Personnellement moi j'ai la flemme. Donc là vous allez dans Preset Browser, Motion Graphics et vous allez descendre jusqu'à Sankor 16. Donc voilà, on peut voir un petit truc sympa. Vous pouvez enlever des morceaux de cette lumière là. Par exemple, je sais pas si je peux enlever l'écran vert là. Je peux l'enlever si je le trouve. Évidemment, j'ai pas le trouvé. Non, par exemple, ouais, ça, si je veux l'enlever, soit je fais cacher, ouais, on voit que ça s'enlève, soit je le supprime carrément avec la croix ici ou supre. Mais bon, moi perso, là, je les laisse comme ça pour le tuto. Moi, sur ma vidéo, j'avais un peu modifié, mais là, après, vous voyez. Donc, voilà, là, ça rend franchement, ça fait déjà ça un bon rendu. On va déplacer un peu la position des lumières autour. Donc voilà, ça rend franchement bien. Je vais rajouter là-dessus une petite color correction avec Magic Bullet Lux. Hop. Alors moi personnellement on va rapidement mettre celle-là peut-être. Ouais, ça peut rendre pas mal. Voilà, alors vous pouvez même laisser comme ça, mais personnellement moi je préférerais que mon optical flare se mette sur la color correction, parce que là la color correction vu qu'elle est placée en dessous, elle agit aussi sur le. Enfin, elle est placée après, elle agit aussi sur l'optical flares. Donc, hop, moi je vais prendre mon effet Magic Bullet Lux et on va le mettre au-dessus. Donc voilà. Bon, après, c'est à vous de décider. Après, vous pouvez changer la couleur de l'optical flare. Hein. Vous pouvez. Je sais pas, je veux du. Je sais pas, il y a plein. Voilà, ça peut rendre pas. Mon nom là, ça fait bizarre, mais. À vous, dans les couleurs, il y a tout, 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 tout. Vraiment, il y a. Même là, en jaune comme ça fait pas mal. Vous pouvez baisser l'intensité. Augmenter. Vraiment plein de choses sympas à faire avec l'optical flare, ça sert vraiment partout, c'est vraiment un truc à avoir. Donc voilà, c'en est fini pour ce tuto. Donc ben je ferai sûrement ce week-end deux ou trois tutos. Allez, trois, on va tenter le marathon, trois tutos, je verrai, j'ai déjà quelques idées, mais je verrai bien quoi faire. N'hésitez pas surtout à me donner vos suggestions comme d'habitude. Donc aussi merci pour les 600 abonnés, ça fait plaisir, j'ai même pas eu le temps de préparer quelque chose tellement en ce moment mes abonnés montent vite, c'est assez impressionnant. Mais je sais même pas, même pour les 700 j'ai rien prévu, j'aurais même pas le temps vu la vitesse que ça va. Donc vraiment merci à tous et n'hésitez pas pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à aller voir ma chaîne pour plus de tutos donc sur Vegas After Effects et aussi pour plus d'épisodes sur Call of Duty, etc.
Donc voilà, c'était Crimzy. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.